ça. Ouais. Moi, ça, je veux dire l'enclurie. Ils prennent leurs responsabilités. République française. L'officier du ministère public. Bon, regarde. Alors, attends. Compliqué. J'arrive pas tout seul. Hubert, il est en grève. Suite à la requête en exonération que vous m'avez fait parvenir, je vous informe que le rejet de celle-ci, en raison du non-respect d'au moins une des règles impératives prescrites, on est en Brésil, 529-10 et 531 du code de procédure pénale. Déjà, va te faire enculer. C'est les lois de riches votées toujours par les riches et pour et par les riches. Ça n'a jamais été pour le peuple, par, pour et avec les peuples. Alors je vous emmerde. En conséquence, il vous est possible de reformuler votre demande. Alors, parce que ce n'était pas envoyé en recommandé avec accusé de réception. Tu vois le truc? Mais vous avez 45 jours pour faire encore appel. Mais tu vas enculer, mec, si tu m'emmerdes. Alors tu pourrais le faire, mais tu le fais pas. C'est là où t'es teubé, tu vois. Désolé. Non. Je vais peut-être le faire, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis pas solvable et je t'emmerde. Non, mais bon, tu peux m'emmerder. Mais pas à toi. À cet état corrompu. Tiens, on va mettre les rats et les blattes ou rogner les miettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bordel? Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Ils sont forts pour parler, hein, pour écrire de la merde. Ils sont forts. L'officier public du CNT, matricule 429-399. Ah ouais? Tu as mal au cul, toi? Parce qu'il faut pas me faire ça, moi. C'est pas que j'étais fils de Dieu, mais quand même, j'étais prophète, merde. Oh, je suis Christ de Nice, je t'emmerde. Arrêtez un peu. Bon, de manière, je suis insolvable. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? J'ai un trou au cul. Mais c'est quand même fort, hein. Il faut quand même le dire. Hein. Alors ça, carrément, je le dis cash. Dis donc, ça fait depuis 2009, octobre 2009, justement, ça tombe bien, on y est. Octobre rouge. Puis demain, c'est vendredi 13. Planquez-vous quand même. Bon, interdit de conduire un véhicule à moteur terrestre. Bah depuis, je conduis mon véhicule à moteur céleste et en plus, je t'en...